Presque partout au Canada, il sera possible de cultiver, d'acheter et de consommer du cannabis en toute légalité. En fait, presque partout, parce que les règles varient d'une province ou d'un territoire à l'autre. Par exemple, au Québec et en Alberta, il faut être âgé de 18 ans. Partout ailleurs au Canada, il faut avoir 19 ans. Mais que peut-on acheter? Du cannabis séché, en huile ou en grains? Pour les biscuits et les autres aliments à base de cannabis, ce ne sera pas pour tout de suite, probablement d'ici un an. Maintenant, où peut-on acheter ce cannabis légal? Dans les magasins gouvernementaux, comme ici au Québec, ou dans des magasins privés, et toujours selon la province ou le territoire où vous vous trouvez. Et puis bien sûr, il y a aussi l'achat en ligne. Quelle quantité peut-on posséder? Jusqu'à un maximum de 30 grammes par personne majeure ou 150 grammes par foyer. Peut-on cultiver de la marijuana à domicile? Oui, jusqu'à un maximum de 4 plants, sauf au Québec et au Manitoba qui interdisent toute culture, ce qui va d'ailleurs à l'encontre de la loi fédérale. Peut-on fumer où on veut? C'est là que ça se corse. En principe, il sera interdit de consommer partout là où le tabac est déjà prohibé. Et à cela, il faut ajouter aussi une multitude d'autres endroits publics. Et dans les parcs pour enfants, comme celui-ci par exemple. Depuis l'annonce de la légalisation du cannabis, des dizaines et des dizaines de villes et de municipalités ont décidé de bannir complètement la consommation de cannabis dans tous les lieux publics. Un peu comme il est interdit de consommer de l'alcool dans la rue par exemple. Par conséquent, ceux qui veulent fumer leur joint devront le faire sur le terrain de leur propriété ou encore à l'intérieur de leur résidence. Mais que se passe-t-il si vous louez un logement ? Techniquement, votre propriétaire pourrait vous faire signer un nouveau bail mentionnant l'interdiction de fumer du cannabis, comme il l'a peut-être déjà fait précédemment à propos de la cigarette. Certaines villes vont plus loin en interdisant d'être sous l'influence du cannabis sur la voie publique. Évidemment, peu importe la ville, il sera interdit de conduire avec des facultés affaiblies à cause de cette drogue douce. Comment tous ces règlements vont-ils être appliqués ? Difficile à savoir. Après tout, le Canada n'est que le deuxième pays dans le monde à légaliser complètement le cannabis. C'est presque une expérience de laboratoire.